Salut à tous les noches en pièce. Bonjour à toutes les nuits dans le monde. Je suis avec Ignacio et Aurora. Ils viennent d'Espagne. Et ils vont nous parler d'un monsieur qui est là, qui est un syndicaliste espagnol et qui est en prison. Et ça, là, c'est ça, si. Si, eso es. Mi compañera y yo, Aurora, y yo estamos aquí por la libertad de Andrés Bodalo. Alors, sa femme et lui sont ici pour la liberté d'Andrés Bodal. ¿Quién es Andrés Bodalo? Andrés Bodalo es un joven sindicalista revolucionario. Alors, Andrés Bodal est un syndicaliste revolucionario, un jeune syndicaliste revolucionario. Que pertenece al Sindicato de Trabajadores Andaluces, un sindicato también revolucionario. Qui faisait partie du syndicat révolutionnaire andalou, un syndicat révolutionnaire aussi. J'allais le dire en espagnol. ¿Qué quiere decir o qué significamos por un sindicato revolucionario? Alors, voilà ce que je veux dire par un syndicat révolutionnaire. Es una lucha sindical por los trabajadores, en este caso es un sindicato andaluz, por los trabajadores sobre todo del campo andaluz. Sobre todo es una lucha de trabajadores andaluces. C'est la lutte des travailleurs andalous. Y cuando decimos revolucionario queremos decir. Et quand tu veux dire révolutionnaire, voilà ce que je veux dire. Que se da prioridad a la lucha en las calles y en las plazas. C'est la priorité de la lutte sur les places et dans les rues. A causa de esta lucha de Andrés Bodalo, él ha sido injustamente hace unos meses condenado a 4 años de cárcel. Alors, Andrés Bodalo, il a été condamné il y a un mois à combien d'années de prison? 4 años de cárcel. A 4 ans de prison pour lutte syndicale. Entonces, sus compañeros del sindicato han iniciado una huelga de hambre. Alors, ses compagnons du syndicat ont organisé une lutte de soutien. Esta huelga de hambre comenzó con una marcha desde un pueblo de Andalucía, un pequeño pueblo de Andalucía. Alors, cette marche, ce mouvement de soutien a commencé par une marche à partir d'un petit pays d'Andalousie, d'un petit village. Que se llama Jódar. De Jódar. La marcha fue de 300 kilómetros andando. Alors, ils ont marché pendant 13.000 kilómetros. 300. 1.300 kilómetros. 300 kilómetros. Je vais bien un peu l'espagnol. Para llegar a Madrid el 15 de este año. Donc ils sont allés jusqu'à Madrid et ils sont arrivés le 15 mai dernier. Y este mismo 15 de mayo comenzaron la huelga. Son por lo tanto 20 días de huelga de hambre para exigir la liberación de este preso político. Et le 15 mai, ils ont commencé la grève de la faim à Madrid. Et cette grève de la faim continue encore. Oui, son 20 días de huelga de hambre en estos momentos. Ça fait 20 jours que ces syndicalistes sont en grève de la faim à Madrid. À donde en Madrid. La huelga de hambre en Madrid se llaman itinerante. Primero estuvieron en Sol, en la Puerta del Sol. Au début, ils étaient porte del Sol, Puerta del Sol, là où il y avait les indignés, mais elle est itinérante et maintenant elle est ailleurs. Después han estado en el barrio de Lavapiés. Ensuite, au quartier de Lavapiés. Y ahora en otros barrios. Et maintenant dans un autre quartier de Madrid. Comenzando por un punto de desconocimiento, no es conocido este hecho de lucha, se está conociendo cada vez más en España y la razón de ser que estemos aquí. J'ai pas tout compris là. Non, je comprends de todo. Este hecho ha sido poco conocido en España y gracias a esta huelga en España está siendo conocido este acto de revolución. Alors, c'était très peu connu en Espagne, mais grâce à cette marche et à cette grève de la faim, maintenant c'est très connu en Espagne. Y estamos aquí para darlo a conocer en este punto de la Plaza de la República. Et ils sont venus ici pour informer de ce mouvement en Espagne et de le fait que Andrés
Ignacio. Andrés Bódalo. Andrés Bódalo está en prisión. Y nuestra petición, nuestra exigencia aquí al gobierno de España es que quede liberado Andrés Bódalo de la cárcel. Alors, mais la, leur ils ont une pétition qui nous demande aussi de signer au gouvernement espagnol pour qu'il libère ce syndicaliste. C'est vrai ça ou là? Quelqu'un a dit une chose? Sí, animar mucho a nuestros compañeros que están en huelga de hambre, algunas personas incluso mayores, como Feliciana, mi amiga Feliciana, que lleva 20 días, casi 20 días, sin comer. Alors, elle pense beaucoup a ses amis qui sont en grande de la faim, entre autres a son amie Felicia, qui est depuis 25 jours sans manger. Oui. Voilà, donc elle pense aussi a ça. Es sus amigos, que son amigos nuestros, los que están, sí, amigos nuestros, los que están esta lucha, llevando esta lucha por este compañero. Alors, elle nous dit que c'est leurs amis qui sont en train de mener cette lutte pour ce compagnon qui est aussi leur ami. Por la liberación de Andrés Bódalo. Por la liberación de Andrés Bódalo. Y donc c'est venu à Paris par que la pétition s'inscrit también por los franceses. Sí. Donc il y aura une pétition à signer. ¿A dónde se le puede coger la pétition? No, sería en España. En España, pero en Francia. No, en Francia no hay. ¿Y si le quiere hacer? Bueno, tendremos que ver la posibilidad, sí. Sí. Donc, il voudrait qu'on crée aussi une pétition française pour l'envoyer en Espagne auprès du gouvernement espagnol. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Y muchas gracias a los compañeros que nos habéis permitido estar aquí en la noche en pie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Aurora et Ignacio de Madrid. Et je ne sais pas si ma traduction était toujours correcte, mais j'ai essayé. Merci. Merci. Donc, c'est fini, vous avez un sujet là? Le sujet, c'est Boréal. Montréal. Ben oui, mais je n'avais pas entendu. Montréal, la ville de Montréal. La ciudad de Montréal que va a pasar después de vosotros. Hasta la vista. Muchas gracias. Hasta la vista. Au revoir y merci.